Ouais, c'est sûr. Quand je fais la course devant en deuxième, ouais, j'espère que ça va se terminer en 2-7. Après, voilà, un match de tennis, c'est tellement long qu'il peut y avoir tellement de rebondissements. Je l'ai joué il y a quelques semaines, j'avais eu des balles de match, j'avais perdu. Donc, voilà, je suis accroché. J'ai attendu d'avoir une occasion qui serve un peu moins bien parce qu'il servait vraiment bien. C'était dur de lire son service. Dernier jeu, j'ai eu la sensation qu'il a passé un peu moins de première, que moi, je l'ai réussi à le faire un peu plus jouer. Même si la première balle de match sur la deuxième, voilà, je rate le retour, c'est un peu, ça aurait pu être un peu chiant. Mais voilà, je suis content de m'en être sorti en 2-7 quand même. Très belle perf, voilà. Quand on peut venir plus ici, enfin, je me dis, c'est... Ouais, 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 non, je suis hyper content de ce que je fais, voilà. Je bats 4 très bons mecs. 4 mecs contre qui j'avais perdu avant, parce que j'avais jamais gagné. Et voilà, c'est bien, ça me permet de me qualifier aussi pour l'Open d'Australie, pour le début de saison prochaine. Voilà, c'est un objectif qui était important pour moi, de retrouver les qualifs de Grand Chelem. Donc c'est une bonne chose de faite. Maintenant, le tournoi n'est pas terminé. Alors, un prochain tour sera très dur au prochain tour, quoi qu'il arrive. Que ce soit Max, que ce soit Greg, ça sera dur. Donc faudra encore sortir un gros match. Qu'est-ce qui fait que ça se passe bien ici cette semaine? Tu te Non, pas de raison particulière. Honnêtement, voilà, les dernières semaines, c'était pas si mal. Voilà, j'ai même envie de dire que cette saison, c'était pas trop mal. Voilà, il manque toujours un gros résultat. Voilà, ce serait une victoire sur un challenger, quelque chose comme ça. Pour l'instant, elle l'est pas, mais le niveau est bon, je sais que je peux battre des bons mecs. Voilà, maintenant il faut être régulé. Ce qui est bien, c'est que j'ai battu vraiment 4 très bons mecs sur un même tournoi. Donc voilà, ça prouve que je peux être régulier. Voilà, mais encore une fois, c'est pas terminé. Il y a encore 2 matchs au maximum à jouer. Voilà, il faut que je récupère et que je me prépare du mieux possible. Mentalement, ils sont costauds. Le premier set, il a pas été facile. Tu fais le break, tu mènes 5-4, tu sers pour le set. Derrière, il revient. Dans le tie-break, t'es mené et tu t'en sors et tu t'arraches. Donc, c'est fort. Ouais, merci. Ouais, je sais pas si je suis fort mentalement, mais au moins, je m'accroche. Voilà, je me suis pas frustré quand j'ai perdu mon service. C'était à 5-4. Je pensais que c'était même avant. Je pensais que c'était à 4-3. Oui, au moins, je me suis pas frustré. Je suis reparti tout de suite au combat, je me suis reconcentré sur le jeu, j'ai pas ruminé, donc ça c'est une bonne chose. Après j'aurais pu très bien le perdre le 7, hein. J'aurais pu perdre 7-5, j'aurais pu perdre 7-6, j'ai l'impression que j'étais toujours un peu derrière dans le tie-break. Donc ouais, ça s'est encore joué à quelques points, vraiment des petits détails. C'est souvent comme ça, hein. Spécialement sur du indoor, où quand les mecs servent bien, bah, y a peu d'occases et il faut saisir les occases quand elles se présentent. Et moi, Maxime, c'est des joueurs que tu as l'habitude de jouer entre moi. Maxime, je l'ai joué qu'une seule fois, j'avais perdu. Greg, on s'est joué quelques fois sur le circuit, mais Greg, en fait, on est de la même ligue, on n'a qu'un an d'écart. Donc, je pense qu'on se connaît depuis qu'on a 7-8 ans. On s'est entraîné ensemble un peu à Roland, enfin, pas dans le même groupe, mais on y était au même moment. On a été à la All-In Academy ensemble pendant un an et demi, lui est toujours, moi je suis parti. Mais ouais, on ne s'est pas joué énormément de fois, mais on s'est tellement entraîné ensemble. C'est peut-être le mec avec qui je me suis le plus entraîné dans ma vie, donc. Donc on se connaît parfaitement et voilà, j'espère qu'il va gagner et que ça fera un représentant du Val-de-Marne en finale ou de la All-In, même si je ne suis plus, mais voilà, que ce soit un de nous deux, ça serait cool.